مساء الخير. كلمة من قائم بالأعمال بالسفارة الفرنسية، وبعدين رح نوزع الجوائز ونشوف الأفلام اللي نحن، لأنه القائم بالأعمال تفرج على كل الوجبات اللي عملتوها، وعملنا سيلكشن، نقينا أحسن أفلام. كنا عدة أشخاص، منهم قائم بالأعمال مسيو بونيو اللي رح يقول كلمة قبل ما نبلش نوزع الجوائز. La traduction, et puis on fait la remise des prix là, on fait la remise des prix au fur et à mesure. Ouais. Bon, très bien. Bonjour à tous. Sabah al-khair jami'an. Et merci d'être venu à l'Institut français de Bagdad. Shukran li hudurikum lil ma'had fransi fi Baghdad. Alors nous sommes réunis aujourd'hui pour une occasion très festive. Et autour d'une passion commune que nous avons, en tout cas c'est vrai pour les Français et je crois que c'est aussi vrai pour les Irakiens, qui est la cuisine. Alors il y a beaucoup de choses à dire sur la cuisine et l'art de se nourrir. هناك الكثير نقوله عن المطبخ وعن الغذاء. Et vous savez qu'en France, la cuisine et l'art de préparer la nourriture occupent une place très importante. طبعا في فرنسا يحتل تحضير الغذاء مكانة كبيرة جدا. Il y a beaucoup de choses à dire sur ça. On peut le voir de plusieurs manières, mais ça n'est pas simplement une nécessité physique de se nourrir. طبعا هناك الكثير للتحدث عنه حول الطعام، ليس فقط انه هي ضرورة جسدية للغذاء. Il y a beaucoup de choses qui viennent autour. لكن هناك الكثير حول هذا الموضوع. C'est d'abord une activité sociale et une activité de famille. Ce sont des choses que nous faisons ensemble à la maison ou chez des amis ou à l'extérieur. C'est aussi un plaisir absolu de trouver les ingrédients, de préparer une recette, de préparer les ingrédients, les combiner ensemble pour préparer un plat. وهي متعة معينة أيضا أن نجد الوصفات والمقادير وكيف نصنع الطبق. Pour moi, il y a un élément très important, c'est que c'est aussi une expérience fondatrice de l'enfance. طبعا بالنسبة لي هي فد تجربة خلينا نقول أساسية بالنسبة للطفولة. J'ai pour ma part des souvenirs très importants pour moi et très émouvants de des souvenirs de cuisine avec mes grands-parents, avec mes parents, avec ma mère, avec mon père. Nous préparions ensemble des recettes. Et ce sont des choses dont on se souvient toute sa vie. Il y a un plat qui est particulièrement emblématique pour moi de ces souvenirs d'enfance, c'est la préparation des crêpes. طبعا هناك ذكرى معينة لدي بالنسبة لطفولتي ألا وهي تحضير الكريب. Alors les crêpes d'ailleurs certains d'entre vous ont choisi de représenter dans les vidéos la préparation des crêpes. البعض منكم اختار أن يحضر الكريب حسب ما رأيته في الفيديوهات. Et dans la préparation de la crêpe, il n'y a pas seulement un côté, évidemment, plaisir de manger la crêpe, mais il y a aussi un côté très ludique, très festif à préparer la crêpe. طبعاً بالنسبة لتحضير الكريب ليس فقط هي كيفية تحضير المقادير ولكن الطريقة الاحتفالية في تحضير هذا الكريب. Donc il y a pour moi ce côté souvenir d'enfance qui est très important.
بالنسبة لي بالنسبة لي هي هي ذكرى ذكرى طفولة ومهمة جدا. Il y a un autre point qui me semble très important, c'est que autour de la cuisine, on peut toujours discuter. نقطة أخرى ومهمة أيضا إنه إحنا في مجال الطبخ ممكن أن نتناقش. C'est un sujet de débat qui peuvent être parfois vifs, mais c'est une activité qui favorise la conversation et l'échange. طبعاً هي نقطة نقاش ممكن الشخص أن يتناقش من حولها وهي تساعد على الحوار وعلى التبادل. Et d'ailleurs, on plaisante souvent en France en disant que les Français aiment tellement la cuisine qu'ils parlent du prochain repas pendant qu'ils sont en train de manger. Oui, هناك لنقول نكتة إنه في فرنسا لدينا إنه إحنا ونحن نتناول الطعام نتحدث عن الوجبة القادمة. Alors, vous savez que le repas occupe une place très importante dans la vie des Français. الوجبات تحتل مكانة كبيرة في المطبخ الفرنسي. Et الثقافة الفرنسية عفوا. Le repas, la gastronomie, ça occupe aussi une place très importante dans la politique. كذلك تحتل مكانة كبيرة في السياسة. Puisque d'abord, quand on mange, parfois, on ne parle plus seulement du prochain repas, mais on commence à parler politique, ce qui peut donner des déjeuners et des repas animés. طبعاً لذلك أنا قلت أتحدث سياسة لأنه خلال الطعام لا نتحدث فقط عن الوجبة القادمة أو ما سنتناوله قادم في المستقبل ولكن سنتحدث عن السياسة لذلك تكون النقاش يكون محتدم وزاهي أكثر. Mais on dit aussi qu'un bon repas peut contribuer à réconcilier ou à mettre d'accord des gens qui ne s'entendent pas du tout. طبعاً خلال الوجبة ممكن إن الواحد الشخص يتلاحم أكثر وأن يكون علاقاته أكثر وطادة خلال الوجبة. Alors pour toutes ces raisons-là, la gastronomie, c'est une activité qui est très importante. L'Irak a sa tradition gastronomique aussi. لكل ما ذكرته سابقا العراق أيضا له خصوصيته في المطبخ أيضا. Et d'ailleurs, nous avons à l'ambassade de France une équipe de cuisiniers irakiens qui nous prépare des plats irakiens. لذلك لدينا في السفارة مجموعة فريق من الطباخين العراقيين الذين يحضرون لنا وجبات عراقية. Mais donc le sujet d'aujourd'hui, ce sont les recettes de cuisine françaises que vous avez voulu cuisiner. موضوعنا اليوم هو المطبخ الفرنسي الذي أنتم رغبتم بأن تتناولوه. Alors j'ai eu la chance et l'honneur de faire partie du jury. كان لدي الحظ والشرف أن أكون أحد المحلفين. C'est une opération donc que vous voyez sur l'écran qui est affiché, qui s'appelle Goût de France, qui est organisée par l'Institut français d'Irak. En regardant toutes les vidéos dont nous verrons certaines en suivant, je dois dire que j'ai été très impressionné par d'abord par les compétences de cuisine qui ressortaient des vidéos. طبعا عند مشاهدتي للفيديوهات وجدت ان هناك تنافس شديد وقدرات شديده على الطبخ من خلال طبخكم. Alors c'était évidemment un des critères d'appréciation des travaux qui ont été présentés. طبعا انه هذا تثمين للعمل الذي قمتم به. Mais il y avait également l'originalité des recettes. وكذلك أصالة الأطباق التي أوردتموها. La qualité d'exécution, la qualité de présentation. طريقة التنفيذ وطريقة التقديم. Et puis il y avait évidemment la capacité à expliquer la recette en français pendant la vidéo. وكذلك قدرتكم على شرح طريقة العمل باللغة الفرنسية. Alors, dans les spécialités que vous avez choisi de préparer, il y avait beaucoup de crêpes, et c'est un excellent choix. Évidemment, le choix était votre choix pour les crêpes.
والذي نال كثير يعني كثير منكم قاموا به. Il y avait la ratatouille. وهناك الغاتاتوي. Il y avait le pain, qui est l'élément absolument fondateur de la cuisine française. Il y avait des gâteaux et il y en avait un troisième que j'oublie, qui... les omelettes. Voilà, les omelettes. Bon, vous avez choisi les grands classiques de la gastronomie française. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que d'abord, j'ai pris un immense plaisir à regarder vos vidéos. ما يهمني أن أقوله إنه كنت سعيد جدا بمشاهدة فيديوهاتكم. Parce que quand on regarde une recette de cuisine qui est comme ça présentée en vidéo, on se sent proche. On se retrouve, on se comprend. Nous sommes amis sans même nous connaître. Oui, لأننا عندما نشاهد هكذا فيديو بتقديم طبق معين نكون سعيدين ونكون قريبين منكم بدون أن نكون قد Et c'est encore plus vrai quand vous choisissez de préparer des spécialités françaises. Alors d'abord, j'ai pris un immense plaisir donc, à regarder ces vidéos. Ensuite, je voudrais féliciter tous les participants parce que vous avez fait... d'abord, vous maîtrisez les plats fondamentaux de la gastronomie française que je viens de citer. طبعا أكثر من سعادتي بمشاهدة الفيديوهات أحب أن أهنئكم على ما قمتم به وخاصة أن الأطباق التي قدمتموها كانت أطباق أساسية في المطبخ الفرنسي. Donc il y avait de très belles crêpes et les crêpes c'est pas si facile que ça à réussir. يشدد على موضوع الكريب لأنه الكريب ليس سهلا إعداده ليس بالسهل. Alors le gagnant du concours, ce sont deux petites filles qui ont préparé des crêpes dans leur cuisine. La vidéo était absolument magnifique et leurs crêpes aussi. Il y a eu le pain aussi, qui est un exercice très délicat en plusieurs étapes. Donc là aussi, très belle contribution sur la préparation du pain. هناك أيضا إعداد الخبز الذي أعد بطريقة دقيقة جدا. Et puis évidemment les omelettes qui là encore ne sont pas on fait pas une omelette comme ça. Une omelette ça se prépare et il y a quelques règles à respecter. وهناك أيضا الأومليت لأن الأومليت لا يعد بأي شكل كان هناك مراحل لإعداده. Alors voilà, on a assez parlé de cuisine. Vraiment, au nom de toute l'équipe de l'Institut français qui a organisé l'événement Goût de France, vraiment, sincèrement, nous vous félicitons chaleureusement. تحدثنا بما يكفي عن المطبخ و سيد بونيو يشكر فريق المعهد الذي ساهم بشكل أو بآخر في إعداد هذه الفعالية. Et nous espérons que vous avez aussi pris du plaisir à préparer ces spécialités, mais quand on regarde les vidéos, c'est le sentiment qu'on a. Et puis, nous voulons vous remercier chaleureusement d'avoir participé à ce concours. Alors, il a fallu faire des choix, et certains vont aujourd'hui gagner des prix. سنختار بعض منكم فازوا بجوائز. Que nous allons remettre dès maintenant. En tout cas, bravo à tous et merci. شكرا جزيلا وبرافو لكم جميعا. Voilà. شكرا. Bonjour. Donc, merci à tous d'être présents ici. Donc, merci aux 7 participants. On est en petit comité aujourd'hui, une petite famille. Ça fait toujours plaisir. D'être là ensemble. Donc on va passer à la remise des prix. Donc on va demander aux gagnants de passer un par un et on va leur remettre une petite récompense grâce au travail qui a été fourni. Donc on va commencer par diffuser. Pardon ? Ah oui. Tu peux traduire s'il te plaît. Shukran jazilan liwujudikum hana fi hadhihi al-musabaqa wa al-an sana'lan asma' al-faizin. D'accord.
Donc, on va commencer par le prix du public. Comme vous savez, nous avons diffusé tous les jours les vidéos qui avaient été proposées par les participants sur les réseaux sociaux. Donc, c'est le public qui a choisi un des candidats, qui est Monsieur Hussein Salim Hamza et son omelette de légumes. سنبدأ بجائزة الجمهور طبعا لأن الجمهور أيضا اختار شخص وهو السيد حسين حمزة كما ترون الآن طبقه. Donc je vous propose de regarder sa vidéo et ensuite on l'invitera sur scène pour s'il veut aussi nous parler il pourra nous dire quelques petits mots. Voilà, merci. Bon, سنشاهد الفيديو الخاص به وإذا كان يرغب في أن يتحدث. Bonsoir mes amis, ce soir nous avons un robot français, c'est un robot populaire que le français adore. En fait, il se compose de tomates et les œufs au lieu de fromage et de céleri. Premièrement, on peut ajouter de l'huile et après quelques instants, on peut ajouter les tranches de tomates et on le laisse, jusqu'à ce qu'il soit complet. Et après cela, on peut ajouter les œufs. Également, on le laisse quelques minutes et après, on peut ajouter du fromage. Et également, on nous laisse 2 minutes et 3 minutes et après on peut ajouter du céleri avec un bout de sel et un bout de poivre noir. C'est tout. Ce repas est très simple et très léger. Nous préférons ce repas parce que nous avons des devoirs militaires ici pour regarder l'ambassade. C'est tout. Merci mes amis. Mon ami Falah, on va manger maintenant pour sortir au devoir maintenant. Donc monsieur Hussein, vous pouvez venir s'il vous plaît. Vous voulez parler, vous pouvez. Bonsoir mes amis. D'abord, je remercie aux responsables du concours le français et l'arabe. Franchement, je fais cette vidéo spontanément avec mes amis dans mon travail. Je suis un policier dans l'ambassade française. Oui. C'est tout. Merci beaucoup. Oui, طبعا يشكر القائمين على هذه المسابقة وعرف نفسه بأنه هو يعمل كشرطي في سفارة فرنسا في العراق. Peut-être l'ouvrir. Ouais. Est-ce que vous pouvez l'ouvrir pour qu'on voit ce que c'est? Voilà. Merci. Une tablette. Voilà. Et puis il y a. Voilà, divers lots pour faire la cuisine. Oui, c'est bien. Voilà, vous découvrez ça. En tout cas, merci beaucoup. Bravo, chaleureusement. Merci beaucoup. Maintenant, on va passer au prix du jury. Donc, le jury était composé de Jean-Noël Bonnieu, premier conseiller, également le cuisinier de l'ambassade. Si vous avez suivi un peu nos réseaux, on avait mis une vidéo de l'ambassadeur dans sa cuisine. Donc, vous connaissez déjà un peu Sébastien et moi-même. Voilà. Donc, c'était très difficile de choisir, mais on a dû sélectionner 3 gagnants. Donc, là, en 3e place, nous avons Monsieur Hussein Al-Ghahani, avec une omelette de légumes. Donc je vous propose de voir la vidéo et on vous invitera ensuite sur scène pour vous remettre les prix. Merci.
Bonjour mes amis, je m'appelle Hussein Haider. Je vous prépare aujourd'hui un plat très connu en France, surtout au petit déjeuner. C'est l'omelette aux légumes. Pour le faire, il nous faut un peu de sel, du poivre, du crème fraîche, des œufs, des oignons, du beurre un peu et des épinards hachés. On met les oignons dans la poêle, puis on met les épinards hachés. On ajoute du poivre, puis du sel. Et on le laisse quelques minutes. On met 3 œufs et on les bat très bien. On y ajoute du poivre maintenant, puis du sel et un peu de crème fraîche. On les mélange très bien. On met du beurre dans la poêle, puis on ajoute les œufs. Voilà, on ajoute les épinards maintenant sur un côté. Puis on essaye de faire ce geste. Là, on a notre plat, l'omelette aux épinards hachés. Je vous souhaite très bon appétit. Hussein, pouvez-vous venir sur scène, s'il vous plaît? Monsieur. Bonjour, je m'appelle Hussein. Je suis étudiant à l'Université de Bagdad, faculté des langues, département de français, première année. اسمي حسين. أنا طالب في كلية اللغات جامعة بغداد المرحلة الأولى. En fait, je fais l'omelette parce que je peux faire que ça. Je suis pas un bon cuisinier en fait. Et merci beaucoup. مو طباخ جيد يعني هذا ما اقدر اسوي الا الاومليت. Merci beaucoup et je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. شكرا جزيلا وانا سعيد بكوني هنا. Bravo Hussein, chaleureuse félicitation. Merci. Moi j'aurais bien mangé votre omelette. Voilà pour vous. Merci. Les prix, merci. Une toque. Merci. Et divers petits lots pour équiper la cuisine. Merci. Félicitations pour le français. Bravo. Ok, félicitations. Merci. Bravo. Donc en deuxième place, nous avons Madame Hayat Jafar Sadik qui nous présente des baguettes françaises très alléchantes. On va voir tout de suite. Hayat. Hayat. Non, d'abord la vidéo. Quatre tests de Paris. Il tasse une carte d'hier. Une cuillère à café de sucre. Une petite cuillère de sel. Une cuillère.
croyer à ce de le vivre. Devoir croyer à ce de le vivre. Cette étape reste pour 20 minutes. Ensuite, nous soyons sa surface avec de l'air et le mouton de feu. Hayat, venez nous rejoindre, s'il vous plaît. Monsieur et son oncle, il dit que c'est une grande initiative qui vient de l'Institut pour être en contact, disons, culturel avec les peuples. On espère que ça va s'améliorer, inshallah, dans des domaines autres que le travail, inshallah, pour que ça soit plus شرائح المجتمع العراقي. Il espère aussi qu'il y aurait d'autres activités dans des domaines plus variés que ça pour que toutes les tranches de la société y participent. وهي بنتي طالبة في ثانوية الموهوبين يعني حقيقة بس هي تحب اللغة الفرنسية وشاركت في هذا البرنامج. Hayat est une lycéenne dans un lycée des surdoués. Elle a voulu participer à cette activité. Oui, donc Hayat, en deuxième position, était bien une lycéenne qui venait de Tikar, donc assez loin, et c'est son oncle qui est venu prendre le prix. Donc, voilà. Donc en première place. Ah oui. هي طبعا من ديقار في المسافة طويلة جدا لذلك عمها هو الذي حضر لكي يسلم الهدية عنها. Et pour le premier prix, malheureusement, comme l'avait souligné Monsieur Bonnieu, en fait, il s'agit de deux petites filles qui ont gagné le premier prix avec leur crêpe. Malheureusement, elles sont cas contact du Covid, donc elles ne pourront pas être avec nous aujourd'hui. طبعا الجائزة الأولى ذهبت إلى أختين شاركتا لكنهم مصابتان بالكوفيد ملامستان بالكوفيد لذلك لم تستطع الحضور هذا اليوم. Donc nous allons quand même regarder leur vidéo. لذلك سنشاهد الفيديو الخاص بهما. Merci. Un verre et demi de lait, un verre et demi de farine, une grande cuillère de sucre, deux œufs et un peu de vanille. Tout d'abord, ces ingrédients qui sont la vanille, le sucre, le lait et les œufs,
sont préparés et mélangés pendant plusieurs minutes jusqu'à ce que les mélanges soient complètement collants et il est préférable d'utiliser un batteur électrique. Après, quand on les a mélangés quelques minutes, nous ajoutons de la farine blanche au mélange et continuons à mélanger jusqu'à ce qu'il soit homogène afin que la consistance de mélange ne devienne pas trop léger ou lourde. Deuxièmement, nous essuyons l'huile sur les casseroles en l'essuyant avec un pinceau ou en mettant un peu d'huile et en essuyant la casserole avec du papier buvant et en le plaçant sur feu moyen. Puis nous prenons un peu de mélange de crêpes et le mettons dans la casserole et le mélange est formé pour prendre une forme circulaire. Et nous attendons que la crêpe devienne ferme et que le mélange devient semi-sec, et quand il devient doré, nous le retournons de l'autre côté. Après avoir préparé la crêpe, vous pouvez ajouter votre bonbon préféré avant de la servir, tel que du miel, du chocolat, du Nutella, du sirop sucré ou de la plâtre de pistache, sauce pistache. Vous pouvez ajouter tout ce qui a un goût sucré. Bon appétit! Tout cela nous donne faim. Bon, heureusement, on a un petit pot de prévu après. Mais je vais demander à tous les participants de venir sur scène, s'il vous plaît. On a un cadeau pour tout le monde. Donc, est-ce que tout le monde, même les gagnants qui sont déjà montés, peuvent revenir, s'il vous plaît? أطلب من جميع المشاركين الحضور إلى المسرح لاستلام جوائزهم. سيدي،